Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, on est vendredi. Donc, qui dit vendredi, dit busy, occupé, plein de choses à faire. Premier objectif, je vais aller au sport ce matin. Il est 9h30 à peu près, donc pour l'instant, Warren dort, il fait sa sieste. Et quand il se réveille, je le prépare et je vais au sport. Voilà. Ensuite, je suis en train de regarder mes murs. Je vais enlever tous les ballons, les happy birthday, tout ça, sur le mur. Il y en a partout. Donc, je vais les enlever. Il faut aussi que je m'occupe de ranger ce salon avec les jouets des enfants. Donc, Kélian est à la maison aujourd'hui. Il n'a pas école. Il est en vacances à partir d'aujourd'hui. Donc, du coup, je pense qu'il va venir avec moi au sport. Parce qu'il va pas vouloir rester ici tout seul non plus. Et puis, ensuite, on rentrera. On se fera un petit repas tous les deux, tranquille, entre mère et fils, pour ce midi. Et puis, il faut absolument que je monte le vlog de ce soir, normalement pour 18h30. Je ne l'ai pas fait hier soir, j'ai préféré profiter de ma soirée avec mon mari. Mais par contre, il va falloir que je le fasse cet après-midi. Donc voilà. Donc j'ai ça à faire. Vous savez, on a une imprimante, la nôtre, qui nous lâche là. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 2 jours qu'elle ne veut plus imprimer, elle fait du bourrage. Et on a été regarder, on ne comprend pas ce qu'elle a, surtout qu'elle est neuve, elle a moins de 6 mois, on l'a acheté au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, elle a pratiquement 5 mois, donc je ne comprends pas. C'est vraiment embêtant. Alors Sébastien me dit, bah va en racheter une autre, mais non, quoi, je ne vais pas en racheter une alors que celle-ci, elle est neuve. Donc je vais essayer de voir si je trouve pas un magasin, vous savez, qui répare un peu tout ce qui est ordinateur, imprimante et tout ça d'occasion. Voir s'il peut regarder ce qu'elle a l'imprimante, quoi. Ça se trouve, c'est rien du tout. Ça va peut-être nous coûter 10 ou 15 pounds, mais ça sera toujours moins cher qu'une imprimante neuve. Surtout que celle-ci, pour moi, bah, elle est neuve, quoi. Et elle est trop bien. C'est une HP. Et elle fait tout. Elle imprime, elle scanne. Enfin bon, elle est trop top. Et ça m'embête de la changer, quoi. Bon, on arrive au sport. C'est génial. Il fait super beau. Donc, on arrive au sport. Il doit être 11h et ça commence à 11h. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, le sport est terminé, c'est Warren qui appelle l'ascenseur. C'est très bien, t'as appuyé sur le bouton? C'est bizarre, maintenant il est assez grand en fait pour appuyer, c'est drôle. Alors, où est-ce qu'on va? Et là tu peux pas appuyer je crois. On va? Doors closing. Oh. Moins un. Moins un. Non, pas appuyer sur l'alarme. Aucun. Faut pas appuyer sur l'alarme, hein? Hein? C'était cool le cours de sport, hein? Oui. C'était bien. Warren, lui, il a joué. Il est content, lui. Tiens plus en place. Cara. Bon, le cours de sport, c'était trop bien, comme d'hab, hein, de toute façon. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'on a un parking souterrain. Enfin, c'est pour... Il n'y a pas que nous, hein, mais les membres du sport. Peuvent se garer gratuitement pendant l'heure où ils sont au sport, donc c'est cool. Vous restez une heure, vous ne payez pas 2 heures, 3 heures, enfin, moi, je trouve ça super bien. Et donc là, on rentre à la maison, on va manger. Je sais pas pour Kélian, mais moi j'ai faim. Voilà. On change de décor. Voilà, on vous a emmené avec nous. Regardez-moi cette verdure, c'est magnifique. Voilà. On est sorti parce que franchement, il fait un temps magnifique. Je suis trop contente. On est le 15 février et il doit faire 16 degrés dehors. J'ai limite un peu trop chaud au soleil avec ma veste. Je supporterai très bien mon pull sans, mais je vais pas me découvrir. Je suis déjà quand même encore un peu malade, donc je vais rester quand même un peu couverte. On est sorti, Sébastien est rentré, il était 2h30, 3h. Il a été chercher Clément. Ensuite, il a dit, prenez vos goûters, on va dehors parce que là, il faut en profiter, quoi. On ne sait pas demain quel temps on aura. Et franchement, c'est vraiment agréable. Il fait super beau. Je suis trop contente. Donc là, ils en profitent depuis tout à l'heure. Ils sont au parc. Je vais vous les montrer. Waouh, Warren. Tu fais le toboggan, Warren? Allez. Tu fais le toboggan, mon chéri? T'allonges? Ouh. Ça te plaît? Tu vas aller où maintenant? On recommence? Ça va bien.
Allez, l'autre pied. L'autre pied. Allez, hop là, très bien. Allez, l'autre pied. Hop là, très bien. Allez, l'autre pied. Très bien. Allez, après, tu viens là? Tu viens là? Tu viens? Allez, tu montes tout seul. Papa, il va t'aider. Voilà, très bien. Hop. Voilà. Allez, viens. Attention. Après, je vous montrerai les chaussures de mes enfants après le parc. Ouais. Hein, quand vous avez des garçons, ce que c'est. Regardez déjà, Kéliane, ses chaussures, voilà. Hein. Faut pas être maniaque, hein, je vous assure. Hein. Sinon, le cœur va s'arrêter. Hein. Et les chaussures de Warren aussi, pareil, dans un état pas terrible. Voilà. Ah, mais dis donc. Je vous montrerai Clément tout à l'heure, ça doit être aussi super. Ici, vous avez un petit bichon là qui lui aussi veut jouer au foot, je pense. Attendez-moi! Attendez-moi, j'arrive! Chérie, allez, mange! Voilà, mange tes petites tomates. Alors, nous, on est rentrés depuis déjà à peu près une heure, chérie, je pense. À peu près une heure qu'on est rentré. Je vous ai pas pris tout de suite parce que je n'avais plus de batterie sur la caméra. Et entre temps, j'en ai profité pour répondre aux commentaires parce qu'il fallait vraiment que j'avais un peu de retard dans la réponse aux commentaires. Donc j'ai répondu un petit peu. Là, je fais une pause parce qu'on va passer à table et regarder la table que nous a fait Clément. Quand même. Il nous a fait une belle table, Clément. C'est gentil. Regardez. Voilà. Il nous a installé ça, les assiettes. Il a mis les serviettes rouges, c'est cool tout ça, hein, hein. Il a pas oublié le vin de papa et de maman d'hier. Maman. Voilà. Maman. Oui, mon chéri. Maman. Oui, papa, il va te servir, mon cœur. Oui. D'accord. Il va te servir, papa. Regardez, papa, ce qu'il a fait. Waouh. Ah oui. Je le mets dans l'assiette et tu prends. Allez. On va faire comme un faux semblant d'un chip parmentier. Waouh. Wow. C'est beau, mon chéri. C'est bon. C'est chaud, non? Alors, voici le plat préféré de Clément. Purée, gruyère et steak. Voilà. Et oui, ça, c'est son repas préféré. C'est bon? Oui, délicieux. Parfait. Nous sommes enfin installés. Donc, ce soir, c'est tacos hein, pour tout le monde. Ça fait le plaisir des uns, n'est-ce pas, mon fils? Voilà. Ma nourriture préférée mexicaine. C'est vrai que c'est bon. C'est pas mal. Il y a le chili con carne aussi. Maman. Maman. Oui, mon chéri. Je vous ai pas montré quelque chose. Juste après le parc cet après-midi, nous sommes passés chez TK Maxx. On est parti chercher en fait des petites caissettes comme ça. Je vais vous les montrer. Et en fait, c'est pour faire des plants de légumes. C'est Sébastien qui a eu cette idée et en fait, on a été inspiré par une de nos abonnées sur Insta, qu'on suit et elle aussi nous suit. Et elle a fait ça comme activité avec sa fille, on a trouvé ça super. Ça leur permet en fait de découvrir un petit peu comment poussent les légumes et franchement, c'est cool, c'est une bonne idée. On est loin de tout savoir. Hein. Exactement. Il y a des gens, même des adultes, que ce soit par exemple de l'ananas, on ne sait pas si c'est dans un arbre ou si c'est au sol. Donc c'est pareil avec les légumes. Donc là, on va leur faire des séries. Donc on va forcément, l'année dernière, on avait fait déjà des pieds de tomates. Donc on va faire des petits plants de tomates, des petits plants de tomates cerises. Après, on va faire des courgettes. De la salade. De la salade, peut-être un ou deux pieds
d'aubergine. Ouais. Et comme ça, ils vont voir la progression, comment ça se, ben, comment ça évolue et comment ça germe au fil des semaines et comment ça, ça pousse. Et comme vous le savez, ben, par exemple, la salade, ben, on met des semis, après on reprend en pleine terre pour qu'après elle, elle grossisse. Ouais. Ouais, ouais. Non, ça va être une super idée, voilà. Donc on a ça. Et puis on a le couvercle plastique qui va servir en fait de... De serre. Voilà. Donc ça va... Bon, je vais pas le... Je vais le casser là. Hop. Parce qu'il y a encore des températures négatives. Hop. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez le dessous. Vous avez la partie, donc vous voyez, c'est troué pour mettre les petits plants de légumes. Et après, ça fait comme une petite serre. Voilà. Donc voilà. Ouais, non, c'est, franchement, ça va être cool, ça va être super. Pendant les vacances, on va faire ça. Les enfants vont être contents et puis ils verront au fur et à mesure l'évolution en fait du légume, hein, tout simplement. Et après, t'as vu tout ce que t'as ? La seule chose qui est faite, c'est les Playmobil. Le reste, faut tout faire. Oui. Ça, c'est quoi ? Le camion ! Bah oui. Donc. Ça, c'est une fois. Bon, on va voir, attends, on va prendre la notice et puis on va y aller tranquillement. Ça, c'est des accessoires. Oh, il peut même conduire ? Bah oui. Il peut même conduire. Regarde, t'as vu, t'as tous les... Pour mettre les tuyaux. Enfin, on va voir ça. Voilà. Et puis, regarde. Ça, c'est quoi ? La caserne. Voilà. Ça, c'est ça vivre comme la caserne, mais oui. Ça, c'est... C'est le camion. Bon, on va regarder la notice. Et puis, je te laisse faire. Et puis, si t'as besoin d'un peu d'aide, puis papa, il va t'aider. D'accord. Puis, maman, elle va continuer. Je vais monter et continuer à répondre à mes commentaires. Parce que j'ai pas mal de retard. Et puis ils m'appelleront quand ils auront fini. Voilà, je vais les laisser entre eux. Alors, c'est pas quel enfant ? Mais c'est génial, ça ! Et attends, regarde, Clément. C'est super joli, mon cœur ! Waouh ! Non, franchement, il est bien fait. T'es content, mon chéri ? Oui. De ton cadeau ? Oui, ça te fait plaisir ? Oui. C'est bien. T'as vu, chérie ? Super. Non, mais c'est... Et franchement, ceux qui sont... Faut vraiment être ingénieur pour monter ça. Regarde. Ils te font des tuyaux. Ça se clipse. Après, tu viens mettre ça. Ah ben, c'est les parties là-bas. Attends, regarde, Clément. Tu ouvres ça. Ouais. Et après, tu viens le clipser derrière. Tu vois, ici. Voilà, je suis un peu loin. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais pas faire de bêtises. Hop, et c'est clipsé. C'est super. Ah non, c'est... Franchement, il a un super truc. Je sais pas si vous vous rappelez, en tout cas dans le vlog, il y a peut-être. Deux jours. Donc c'était pas le vlog. Non, c'était le vlog de dimanche de la semaine dernière, dimanche soir. On l'a trouvé sur le site Argos à 29 pounds. Exactement. Donc ça fait à peu près 30 euros aujourd'hui. Franchement, il est pas cher et il est juste canon, quoi. Le Playmobil, franchement, on n'a vraiment pas payé cher. Et sur Amazon, il est à 72... Ouais, 72 euros. 72 euros. Donc, voilà. Donc, comme quoi, franchement, c'est vraiment... Ouais, parce qu'il y a quand même un camion et un bâtiment. Une bonne affaire. Hein. Oui. Voilà. Et en plus, il est content. Hein, mon chéri ? Oui. C'est bien, c'est cool. Enfin, moi, elle est contente, alors. Alors, moi, je lance une bouteille à la mer. Je change complètement de sujet. Je suis encore très malade. Tout le monde dans la maison est guéri, personne ne tousse, rien. Et je suis la seule à avoir des quintes de toux régulièrement dans la journée. Si vous avez quelque chose sur les quintes de toux, dites-moi, donnez-moi quelque chose à prendre. C'est juste horrible. Je pense que demain, il faudra peut-être que je trouve un médecin parce que j'arrive presque à m'étouffer. Je suis obligée de prendre un peu de Ventoline de temps en temps. Et là, ça commence vraiment à m'inquiéter. Ça fait presque 15 jours que je traîne ça, donc ça craint, quoi. Et là, je perds encore ma voix. Et là, je suis encore en train de perdre ma voix. Je me sens vraiment pas bien. Là, t'es même... Je suis pâle, ouais. Ouais, très pâle. Bon, en tout cas, dites-moi si vous avez un remède miracle ou quoi que ce soit. Laissez-moi des commentaires. Regarde, et moi, je vais essayer au plus tard lundi d'aller voir un médecin si jamais ça passe pas. Parce que là, franchement, je me sens pas bien. Voilà. Donc, sur ce, je pense qu'on va vous laisser là. Demain, Sébastien travaille, c'est samedi, en plus il est de coupure, il finit à 15h pour reprendre à 18h. Oui. Donc ce qui fait que la journée va être corsée pour moi. Mais bon, j'ai l'habitude, hein, vous savez.
Donc voilà, même pas peur, comme on dit. Il n'y a pas d'école française pour les enfants parce que c'est les vacances. Donc pendant les vacances, c'est fermé. Donc du coup, c'est bien parce que j'aurai vraiment la journée pour m'organiser. Il n'y aura pas de coupure ou des moments où on doit aller un peu plus vite parce que il y a l'école française, quoi. Donc voilà. Hein, mon chéri ? Donc demain, on profitera tous ensemble. Et puis, eh bien, c'est tout. Je pense que je vais fermer le vlog maintenant. On leur dit au revoir, Clément ? Oui. Oui. Alors, nous, on espère que ce vlog vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Ciao ! Ciao ! I have